santé et l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1027 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,74%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Pékin 1, Parcelle Assigny 2, Graïof 1, Maris 1, Rufisque 1, Yombol 1 et Touba 1. 69 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fane et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au COVID-19. Le mardi 5 mai 2020, il s'agit d'un homme âgé de 94 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie pour le repos de son âme et présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, 1492 cas ont été déclarés positifs, dont 562 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 916 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière a commencé et concerne toute personne testée positive au COVID-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune autre maladie chronique et ne présentant aucun signe de suspicion de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum askanwi. Ci bëssu tay bi di alhamess juroom ñaari fan ci mois de mai 2020. Jot nañu résultats virologiques yi ma leen di bëgg jotali. Ci jooni ak ñaar fuk ak juroom ñaar tass yi nga xamantene def nañ ko. Juroom fuk ak juroom ñent biñu délusé and nañu ak doomu jangoro ji. Ci yoyu juroom fuk ak ben mom lañuy wax contact ni ñen ko doon waxe bëss bu nekk moy ñi nga xamantene ñu ngi leen di seytu té di leen top ci bërebu liggéeykaay. Juroom ñett ci ñom lañuy wax communautaire. Yoy nak ci bëssu tay bi ñu ngi leen di fekk ci digënté Pékin amna ben, Parcelle Assigny amna ñaar, Graïof amna ben, Maris amna ben, Rufisque amna ben, Yombol amna ben. Ñoo ñëpp nak ñu ngi fi ci Dakar. Touba amna ben. Juroom ben fukk ak juroom ñent malade yi nga xamantene seytu nañ leen andatu nak doomu jangoro ji wër nañu. Juroom benn cas diñu wax cas grave ñu ngi tëdd ci l'hôpital principal ak ci l'hôpital Fane ci li ñu wax service réanimation. Ni ngeen ko waxee démb te di ko doolee nakarlu suñ Sénégal gi amaat na beneen nit koo xam ne génn na àddina muy def mu tollu léegi ci ñu génn àddina ci fukk ak ñett. Ministère de la Santé mu ngi koy jaar ak mbokk ay mbokkam ak askan wi te ñu naan yàlla xare ko àjjana. Ci bésu tey bii ñu ngi tollu ci junni ñenti témèr ak juroom ñen fukk ak ñaar ci cas yi nga xamantene positif nañu moy and nañu doomu jangoro ji. Ci yoyu juroomi témèr ak juroom benn fukk ak ñaar wër nañu, fukk ak ñett wàññeeku nañu moy gaañu nañu, benn deloo nañ ko réewam. Ñu tollu léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu leen di fekk ci juroom ñenti témèr ak fukk ak juroom benn.